Salut, on est samedi et c'est du grand n'importe quoi. Je viens de me rendre compte, oh là là, ce coiffure que j'avais pas encore envoyé, le colis de la gagnante, et on est samedi. Et vu que c'est des faucilles, ça peut être sympa quand même. Quel est pour le réveillon du 31? Le truc, c'est qu'il est midi moins le quart. Je sais pas, je crois que ça ferme à midi le samedi, après c'est fini quoi. Ça réouvre que le mardi, donc autant dire, c'est chaud. C'était tout ce qu'il vous fallait? Oui, oui, oui. Et eh ben, je peux vous dire que c'est une très très bonne chose de faite. C'est beau hein, tous les sapins. Je suis contente et Laura pour le 31. Je vous reprends un peu plus tard, entre temps je suis rentrée mais je suis repartie. J'avais oublié de vous dire parce que j'étais un peu dans le speed que ce midi je mangeais chez ma maman. Donc elle m'attend, c'est le petit repas du samedi. C'est pas tous les samedis mais là ça me faisait en plus plaisir. Coucou, ça va? Oh, c'était les boîtes de la T-Box que je t'avais données. Oui. Tu les as gardées? Celle-là elle est belle. Moi ça me... Comment ça? Ah bah oui, tu ranges des... C'est cool. Bah oui. Bon alors, qu'est-ce qu'on mange? Oh, j'aurais... Oh non, j'adore ça. Des crevettes avec du chou-fleur. Testé, c'est très bon. J'ai découvert ça il y a très peu de temps. C'est très très bon. Et bah il fait super bon. La fenêtre est grande ouverte là. Il fait doux, c'est très agréable. Et j'ai faim. Ça tombe bien parce que j'ai l'impression qu'on va bien manger. Et là, qu'est-ce que c'est? Attention. Bon, il n'y a rien. Ah bah non, c'est tout fou. Oh, maman? Oui? J'ai peut-être un peu regardé ce qu'il y avait à manger. Ouais, je sais. Faut juste que je vous dise un truc, vous voyez ça? Si, si. Bah, tu peux redire, maman? Mais c'est quoi ça? Elle me dit, non, non. Elle m'a dit, mais c'est normal, ça? Ben oui, c'est normal. Mais non, mais c'est normal, je l'ai acheté comme ça en fait. Non, j'avoue que c'est pas... Il est pas neuf ton truc. Mais si, enfin il est neuf, il a été vendu comme ça bien sûr. En plus, il avait coûté cher. Hein. Ah non, mais j'étais en train de parler, elle a coupé les trucs qui pendouillent. Ben oui, non, mais très bien. C'est pas beau. Enfin, c'est des termes. Je connaissais pas du tout cette association. Hein. C'est depuis que tu fais ça. Ah ben j'adore. Mmh. Merci. Mmh. Non, c'est bon. Ça, c'est super. Et la boîte. Et ça? Je vais la garder. Quoi. Ah, elle est belle. Ouais. Mmh. C'est quoi? Dis donc, t'as vu? C'est des truffes. Recoucou. On a bien mangé. Le chou-fleur, ça reste sur le ventre. J'ai pas l'habitude de manger autant de midi. Alors, aujourd'hui, programme. Pas le choix. Il faut que j'aille faire encore des petites emplettes. Pour compléter ce que je vous disais dans le blog d'hier, ces enfants. Parce qu'on va se voir, je crois que c'est demain. Non, après-demain. On va faire un petit peu les échanges de cadeaux lundi soir. Donc voilà, il faut finaliser tout ça. Donc on va aller faire un petit peu les boutiques. Et ça sera déjà pas mal. Regardez mes fleurs, comme elles ont bien évolué. Elles sont magnifiques. Hein, oh, le gypso, c'est sublime. Espace culturel, toujours bien, tu trouves des pépites. Ça avance, ça avance. Il y a des choses que je pourrais vous montrer, parce que je sais qu'ils vont pas regarder, je pense. Mais ouais, on est resté tellement plus longtemps chez maman, c'était pas prévu. Un petit tour à la parfumerie. 16h27, j'en ai marre. On sort de chez Intersport, on a tout fait. Hein. Je sais pas si je vais tout montrer, donc je pense qu'on est pas mal. Il restera deux petites choses, mais je finirai peut-être lundi. Hein. J'ai demandé demain dimanche, je pensais que ça allait être ouvert, mais non. C'est crevant en fait, toutes ces boutiques. De retour à la maison. Je vais vous montrer quelques petits trucs que j'ai pris. Je pense. Et mais d'abord, j'ai envie de goûter. J'ai faim. J'ai pris donc, il y aura deux petits coffrets soins, genre pour le visage, pour le corps, pour les pieds. C'est toujours bien les petits coffrets comme ça. Regardez, je m'en fous, Eric, je crois pas qu'il regarde mes vlogs. Si, des fois il regarde, mais bon. J'ai pris un slip. C'est deux passions. Et les Beatles. Et Star Wars. Free Gun. En plus, il y avait une promo dessus. Mais je vais lui donner comme ça. Il y a même le petit paquet. Regardez. 9,99. Ça valait le coup. Hein. Et Eric vient de m'acheter un petit goûter. C'est une petite bûche que tu m'as pris. T'aimes pas ça? Bah, c'est mignon, mais bof. Mais écoute, comment tu peux savoir que tu n'aimes pas quelque chose que tu n'as pas C'est goûté. Vrai. Non, mais je sais pas. Bah, j'ai l'impression que c'est tu sais, la crème pâtissière. Mais d'abord, mais là. Oh, moi, je vais goûter. C'est pareil, c'est la meilleure bûche du monde. Qui t'a dit ça? Et la boulangère. Ah, bah, normal. Son mari était malade et elle en avait acheté pas. T'es une blague? Mais non, mais il y a une épidémie de gastro.
Bah, tu me dis ça au moment où je vais manger ça. Elle est bonne, mais c'est lourd quand même. Mais elle est très très bonne. Oh là là. J'avoue, elle est délicieuse. On ne voit que dalle. C'est ça que vous n'avez pas montré. Des papillotes, je vous disais, devant la télé, du grand n'importe quoi. C'est délicieux, mais à un moment donné, si tu te régules pas, t'es vite écœuré. Mais c'est très très bon. Lolo, je mange qu'un petit bout de bûche. Hein. Jeudi, il est quoi ? 5h26, si je commence à manger tout ça. Monsieur est pas content parce qu'il a pas eu son goûter. J'ai mis un coup de dans le bureau. 18h16, j'allais commencer à faire un peu de montage. Mais, vous voyez là, toute cette partie qui n'a pas été faite. J'avais dans l'idée d'enrouler un petit peu. Là, peut-être mettre du washi tape. Et cette partie, je ne pourrais pas mettre du washi tape, sinon ça fera les finitions ne seront pas nettes. Enrouler avec du tissu. Je sais pas, je vais essayer déjà, je sais pas comment ça se fait. Oh, les mobilettes. Casse la tête. Ouais, bah c'est des bouts de tissu tout simplement. Je pensais que c'était des bandelettes, moi. Mais pas du tout. Bon, c'est pas gênant, faudrait que je fasse moi-même mes bandelettes. Même si, je sais pas si... Non. Je suis pas convaincue du motif. Ça fait un long truc comme ça. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose ? Pas convaincu. Je vais peut-être faire plutôt, mais c'est hyper blanc. Je vais peut-être faire des petits washi-washi. Je le sens bien. Mes ciseaux, bien évidemment, sont en bas. Putain, c'est chiant. Parce que j'ai fait les paquets. Je vais continuer. Mais ouais, je pense que le tissu, non. Par contre, je les garde, hein, évidemment. Ça peut m'être utile pour d'autres choses. Mais ça, non. Là, c'est le côté un petit peu délicat avec le cutter. Sans, bien sûr, abîmer la chaise. Le but, c'est pas ça. Vous voyez ? Hop ! Tout seul. Et j'enlève. Je vais continuer hors caméra. Alors là où c'est compliqué, c'est la jonction. Parce que je voudrais que ce soit harmonieux. Donc il faut que je mette vraiment les petits ronds alignés. Bref, vous avez compris. Je vais essayer de faire au mieux. De recouvrir et que ça fasse sympa. Mais déjà là, j'adore hein, le côté Vichy. Regardez. Hop. Là, c'était le même. J'ai dû faire là des petits raccords avec washi tape d'un autre motif. L'intérieur, je ne l'ai pas fait, parce que je ne sais pas encore, mais je veux aussi le recouvrir. Et puis bah, ça, je continuerai, je pense que je le ferai demain. Oh mais non, je ne l'avais pas vu. Qu'est-ce que c'est que cette position ? Hein ? Bah, t'es trop mignon, toi ! Il adore quand je fais du montage, il reste là, et bah, souvent, je ne le vois pas. Parce qu'il ne fait pas de bruit, ce bébé Zaki. Avant de descendre manger, il faut que je monte dans ma chambre, je vais mettre du collier, je ne sais pas ce que j'ai dans l'œil. J'ai une gêne. J'ai vraiment un look. J'ai décidé que justement, en parlant de look, bonjour mon chéri, vous l'avez entendu, boum, je voulais me relooker. J'ai toujours pas trouvé de bas, parce que pour moi c'est la base, le bas, après je peux composer facilement, il faut que je me trouve des jeans qui, une bonne fois pour toutes, m'iront. Oh là, attention. J'aime pas du tout quand tu es là. Allez, descends. On descend manger. Je vais me faire ça, je m'en suis acheté. À chaque fois, à la période de Noël, je me prends des œufs de limpe. Parce que c'est la base. Avec les petits toasts hein, qui restent, du beurre, un peu de roquette. Chili, bah non. Je vais me faire celui-là. Pavé de saumon, sauce aneth et son riz. Je vous retrouve le lendemain matin, je pense que vous l'aurez deviné hein, avec la luminosité. J'ai pas oublié hier de clôturer, mais j'avais envie de vous reprendre aujourd'hui pour justement vous expliquer mon programme du jour. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit déjà peut-être que, voilà, il fallait que je range cette maison de fond en comble. Donc c'est une grande maison, ça risque de prendre beaucoup de temps. On a le fils le plus jeune d'Eric qui arrive demain pour une semaine. Donc il y a aussi bon, sa chambre, même si c'est pas trop le bazar, ça va. Mais j'ai mon bureau, ma chambre, le salon et j'avais même envie de, peut-être parce que j'ai des nouveaux meubles, ce genre de choses, de switcher, de réaménager, de redécorer quelques pièces de la maison. Et tout ça aujourd'hui, sachant qu'il est quand même déjà midi. Je ne vloguerai donc pas aujourd'hui, mais par contre demain vous aurez une vidéo très certainement sur... le rendu, en fait, une fois que c'est rangé. Je ne vous oublierai jamais. Je parle à qui ? Je parle à qui ? À qui je parle ? Je sais pas. Qui a-t-il ? Il y
Il y a un petit animal dans la chambre. Ah, c'était toi le petit animal, je t'avais pas reconnu. Donc vous l'aurez compris, demain, très certainement, donc il n'y aura pas de vlog, mais il y aura le résultat du rangement. Tu es en forme, hein, bébé. Le résultat, peut-être, de nouvel aménagement, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, ce ne sera pas un vlog. Je vais donc clôturer maintenant le vlog qui sera un petit peu sur deux jours et vous dire à demain pour la suite des aventures. Salut.